Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu Bully Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! De techno. Jim, installe-toi près du poste de vélo. Ouais, j'ai pas dit aux toilettes. J'ai pas dit. Je vois pas droit aux voitures, c'est réservé aux grands. Faut apprendre à marcher avant de courir. Parce que l'icône apparaît, effectue l'action correspondant. Well, you screwed up there, son. Try again. Not too shabby, Hopkins. Maybe you're just not cut out for this. Start over. That ain't right. Do it again. You're pretty useless. Get out of my sight. What's that? Salut, Ezek 88, comment ça va? La grosse commission. Hein? Elle a pizza, tiens. Nice. Ah, oh, la ferme, ça relève le goût. You wanna give it a go? Sure. Try and get some bits. Essaye de mettre des goûts, des bouts. J'ai le trac. Petit fait, petit, t'es un homme. C'est le début de la fin, mon garçon. Anyway, what do you want? Nothing. Est-ce que tu veux rien? C'est le dealer qui m'envoie vraiment. Ah ouais. Que t'ailles en ville, me chercher de la viande et faire 2-3 courses. Sinon, il faudra encore que je fasse passer un des chats de Miss Phillips sur la casserole. Alors, voyons voir. De la viande chez Yum Yum Market. Un rasoir chez le coiffeur pour ma moustache. Et ah ouais, une culotte de chez Warren. Ça fait 3 mois que je porte celle-là. Et puis, je dois prendre mon vélo. C'est la belle bécane près du portail de l'école. Elle est dégueu. Donc il va dîner bientôt là. C'était là. Allez, on se dépêche.
Bon, de la viande. C'est Yum Yum Market. Welcome to Yum Yum Market. Ah yes, the discount meat. Cette viande en rabais dans la date limite expire aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Le coiffeur. Hello my friend. Not bad. Il reste les vêtements. What's up? Another one for the collection. Est grande cette femme-là? On peut revenir en ici. Yeah. On est bon Edma avec ses courses. Bon, on se dirige vers la cafétéria, ramener les courses à la grosse dégueulasse. Pour préparer cette viande rapidement, il paraît que la veille expire à minuit. N'importe quoi, les gens de Bullworth mangent de tout. Il y en a pour un mois. Ben loin. Pas supposé être à l'école, toi. Thank you.
Ah, il y en a là aussi. Des mineurs. Le type de merde, insultant, dégradant et condescendant. Alors, madame? Non, ça va pas, regarde-moi ça. C'est juste un non, pas du tout, c'est une insulte, un scandale, une honte. Je me fiche que les gamins se moquent de moi ou que les hommes me demandent de leur faire des choses bizarres, mais ça, pas question, c'est si dégradant. Je peux faire quelque chose pour vous aider? Détruis-les tous. Old Bulwark Vale en est rempli. T'en prie, je te paierai. Il faut que ça arrête. Et puis on vous voit, il tentera de vous épingler. Cherchez des nains, des jardins et détruisez-les pour Brandy. Faut se voir ces nains là, moi. Oh, cool. Ils sont où ces satanés? Je crois pas à rien. Are you blind? Non.
Le journal. Bon. Hey, Beatrice, what's wrong? Je vais pas, Béatrice. Deux choses. Firstly, my cold sores are totally acting up. Ew, gross. Secondly, Mr. Hatcher saw me writing in my diary during class, and he took it and he locked it in his desk. And he says he's going to give it to the principal tomorrow. If anyone sees what's in there, I will just die. It's really personal. Yeah, well, nothing like having the whole school know your deepest secrets. Makes your teenagers go by a flash. Yeah, well, you'll soon find out. Me? Why? Ouais, de quoi? In the diary, I talk a lot about you and me. What? Ouais, mais il y a rien entre nous. Bien sûr que si, tu sais bien. D'abord, tu as pris mes notes à Mandy, et ensuite on est tombé amoureux, tu m'as offert des fleurs. Tu m'as écrit un poème et tu m'as montré ton côté sensible, et bientôt, le monde entier sera au courant. On est des amants, maudits. Ça suffit, c'est bon, je vais récupérer ton journal. Alors on peut s'embrasser. T'inquiète pas, quand on est en amour, la paix se donne pas. Quand même papillon, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami, ça fait super plaisir, ton follow. Oh yeah! Coucou, c'est le jeu de mon enfant. Ah oui, moi j'y avais jamais joué, moi. T'as quel âge, mon cher ami? Et là, c'est la troisième fois que j'y joue, mais j'y avais jamais joué avant. Là. Je sais pas comment entrer là-dedans. Oh hi! Moi je peux oser monter là, moi là. Ah ici! J'avais pas vu. Ça va, Cal? Bon, tu as déjà terminé le jeu une fois. Non, jamais, j'ai jamais joué. Je veux dire, quand c'est la deux, troisième fois que je joue, je veux dire, c'est... Je l'ai commencé il y a quelques jours. J'y joue une heure par jour. Salut, Pancake No Syrup. Excuse-moi. Fermer, vérifier la salle. Bon, faut exprès y être devant la salle. D'accord, tu verras le sol être au pied. Ben, je me le souhaite. Ah, c'est en bas. Moi, je fais ce que je fais ici. Salut, Pancake, j'espère que tu vas bien. Tu viens d'où, mon cher ami? J'y joue, joue à plusieurs jeux par jour, mais une heure par jour chaque. Ce matin, avant celui-là, on a joué à Resident Evil Révélation, le premier. Jimmy, le nouveau, il est trop laid. Ses dents, ses cheveux, son odeur, son attitude, Burke. Mais il y a quelque chose chez lui qui est tellement attirant. J'ai dit à Burke ce que je ressentais, mais ça lui a pas trop plu. C'est nul, parce que Bucky est un très bon copain. J'aime pas quelque chose ou quelqu'un le rende malheureux. Je savais, je suis passé devant lui aujourd'hui et il m'a regardé. C'est une élection libre. J'aimerais m'appareiller avec lui,
J'en tremble, rien que pour nous imaginer pratiquer ensemble un peu de chimie organique. Tabarnak. Non, tu joues à quel jeu, toi, dernièrement? Salut Elka, comment ça va? Et voilà, tu as récupéré? Et je ne l'ai pas lu, enfin, pas trop. Ah, un feu sauvage en plus. Ça me donne envie. Peut-être ce soir, faut que je vérifie dans ma liste si j'ai une chicks pour moi. Ça va Elka? Ouais, c'est correct. Je viens de terminer Mafia, je trouve que c'est redondant, mais c'est correct. Pas le même style du tout, là. C'est quand même le même principe. Sur quoi d'ailleurs? PlayStation, non. Xbox Series X. Bon, on va avoir un cours dans quelques minutes. Non, je vais pas t'aider. Je suis pas ta mère. Allez, on va d'un cours. Toi, Cam, c'est-tu Camille? Tu calmes? Call me, papy. Hein? Appelle-moi, papy. Hein? Tu viens d'où, toi, mon cher ami? Géographie 1. Bon, on va voir si je suis bon. Bonjour à toi, je suis Monsieur Matthew, votre professeur de géographie. Je sais que vous avez tous à vous mettre au travail, sinon, que feriez-vous ici? Ah, prendre un drapeau. Ah, placer le drapeau. France, Italie. No, I'm sorry, that is incorrect. What? Oh, c'est pas l'Italie. Et c'est l'Italie. Espagne. Somme c'est. J'hésite en deux pays. Ok. Il
be alone. Chris, je suis sûr que c'est la Suisse. La Finlande, j'hésite entre les trois. Tabarnak. C'est la Suisse. A fair guess, but I'm afraid it's wrong. Suède? Try again. Fuck. C'était la Norvège comme ça. Heavens! Whatever gave you that idea? What? Fair guess, but I'm afraid it's wrong. Try again. Hey, je l'ai cliqué à la mauvaise place ou quoi, tabarouette? C'est impossible, là. No, I'm sorry, that is incorrect. Putain. Heavens! Whatever gave you that idea? Hey, là, je suis pourri dans mes pays, je peux pas croire. Ça, c'est l'Italie, je le sais, là. No, I'm sorry, okay, that is incorrect. Ah, moi que c'était... Don't give up. Even Christopher Columbus. Non, mais je suis pas nul. Je suis sûr que c'est... les trois pays, c'est les trois prédits, c'est les pays scandinaves en haut. Je suis sûr que c'était quelque chose qui va pas là. Je peux pas croire. Hey, je suis prof de géo, Carlis. Je connais pas tous les pays par cœur, mais Chris. Le règlement de l'école est très clair à ce sujet. Pas d'alcool dans l'établissement. Vous êtes ivre. Je le vois dans vos yeux. En essayant ivre, quel genre de monstre ose boire devant les enfants? Un père lamentable, oui. Vous êtes alcoolique, n'est-ce pas? Je suis juste sous pression. Moi, je suis quelqu'un de compréhensif, Galloway. Bon, et en tant que tel, je me dois de faire, de vous faire envoyer. Qu'est-ce que vous voulez, Hattrick? Vous le faites toujours de toute façon. Je vais en parler au provisoire. You okay, sir? Ça va, monsieur? Jimmy. Jimmy, non, ça va pas. I'm not okay. I'm half je suis Yves et je vais être viré. Formidable. Fantastic. Je suis un vieil ivrogne et je n'ai que 34 ans. English, you see, l'anglais est une matière difficile à enseigner. J'ai tout essayé pour calmer la douleur. Yoga, la méditation, le tricot. Surfer sur les sites douteux d'internet, mais il n'y a rien que tel que l'alcool. Allez, monsieur, rangez la tuer, il faut c'est un don du ciel. Donnez-moi ça. Il faut s'en débarrasser, vous êtes fichu. C'est très gentil, Jimmy. Miss Philippe est la seule enseignante qui connaisse mon vice. Apporte-lui ça. Elle saura quoi en faire. Stupide. Trouvez la bouteille dans la cantine. This looks useful. Les autres sont en haut.
Tu joues à quel jeu, toi, présentement, Call Me Papillon? Vous verrez, il s'en sortira pas cette fois. Je posais voir ça où, moi, là? Dans la live, tu sais, sûr de comprendre. Colle dans toi, mon dieu de folle. Casse la vite. Ah, c'est peut-être ça. Passe toi, petite grosse. Ça, ça peut. Ah ouais, c'était là. Merci, Jimmy. Vous en prie, mademoiselle. Tiens, prends ça. Je vais récupérer l'appareil photo. Merci. Et voilà, bon. Une pierre deux coups, mathématiques. J'espère que vous êtes prêts à apprendre quelque chose. Nous ne sommes pas en cours d'anglais pour vous, vous savez. Trouvez autant de bonnes réponses que possible. Oh, fuck, qu'est-ce que tu fais? 36. Combien de triangles? 1, 2. Lequel est le plus petit? 12 égale 3 fois 8 moins 20. Quel est le plus gros? Quel est le plus bas? 203. 11. Une demi égale 0.5. Lequel est le plus long? 120 est égal à 2. Lequel est le plus rapide? 99 en 9. Lequel est le plus rapide là? Combien de carrés? 1, 2, 3, 4, 5.
2 points, ça, ça donne la moitié. 34, tu fais 15, 17. Pas pire. Calmez-vous, la soupe est là. Après ce jeu. Ah, j'ai failli! Voyons encore, là, j'étais super vite. C'est n'importe quoi. Jimmy, buddy, I need your help. Ouais, je te kick dans le vagin, toi, tu vois. Ouais, mais j'ai tout eu les bonnes réponses, sauf la deuxième. Ben, logiquement, j'aurais dû passer, je comprends pas, là. Je pensais même que j'allais être comme excellent. Ouais, mais c'est pas Bully qui répond, c'était moi, là. Putain. Coup de main 2. C'est vrai, après pour l'entraînement. Merci, bon, okay, petit bon. Et maintenant, au travail. Je vais pas sur le H. C'est là que je viens de faire. T'as l'idée, moi, de penser. Il reste encore 20 minutes de live avant de changer de jeu. Ben, je vais aller grignoter, j'ai faim. On va faire l'étoile rouge. Fidibourg. Je préfère utiliser ça à mon avantage. Hopkins
Vince, you're such a wimp. I could do so much better, you know. Hopkins, you're pathetic. His left eye looks swollen. $50 says that Hopkins is going to bite it. That looks like it hurt. Hopkins, you're pathetic. Hopkins, you're such a wimp. It's a wonder Hopkins is still standing. I could do so much better, you know. Yes! Je dis, il y en a un autre. Shit. Rien. Allez. What can I say? What can I say for you? Hopkins, you're such a wimp. That looks like it hurt. Oh, don't worry. Jimmy's tough. Ah, il me domine là-dessus, là, il est plus dur. Standing. That's the best you can do.
I could do so much better, you know? Couldn't you just be friends? Careful! There's another round after this? I'll do a round against Hopkins after this fight, if there's anything left. I love watching a good match! Move like a bee, sting like a bee. It's a wonder Hopkins is still standing. Hopkins is surprisingly tough. Hopkins, you're such a wimp! Hopkins, you're pathetic! Hopkins is surprisingly tough. His left eye looks swollen. I could do so much better, you know? It's a wonder Hopkins is still standing. Oh, Stina! Hopkins, you're such a wimp! That's the best you can do! $50 says that Hopkins is going to bite it! Je ne sais pas, c'est ça la fin. Like my shoes, they're genuine puck. There's another round after this. Move like a bee, sting like a bee. Hopkins, you're such a wimp. I'll do a round against Hopkins after this fight, if there's anything left. That's the best you can do? $50 says that Hopkins is going to bite it. Hopkins, you're pathetic. His left eye looks swollen. Hopkins, you're such a wimp. Be glad I don't enter the fray. Hopkins, you're pathetic. Couldn't you just be friends? I'll do a round against Hopkins after this fight, if there's anything left. Hopkins is surprisingly tough. Hopkins, go home. Hopkins, you're such a wimp. Oh! That's the best you can do. Oh no. A good match. Careful! C'était fini. Like my shoes, they're genuine Hopkins. There's another round after this? I still think Hopkins will lose. I love watching a good match. There's another round after this? Hopkins, you're pathetic. That looks like it hurt. It's a wonder Hopkins is still standing. That's the best you can do? Hopkins is surprisingly tough. Hopkins, go home. Hopkins, you're such a wimp. It's a wonder Hopkins is still standing. Wow! I could do so much better, you know? Hopkins, you're... Job well done. All right, I won. Bon, j'ai gagné. File-moi mon prix. There's a little problem. Il y a un petit problème. Tes parents doivent être membres du conseil pour que tu sois éligible. Écoute, mon vieux, on va te donner une vieille cabane abandonnée sur la plage. Une fois nettoyée, elle sera superbe. Une vieille cabane sur la plage. On va faire une poissonnée. Le club des Bourges est à vous. À moi, la vie. Nouveau lieu de sauvegarde débloqué. Excellent. Vous avez récupéré la tenue de boxe. Hopkins comes through. Un escalier ici. Tu veux bien t'habiller convenablement? Il vous faut un pull. Aquaberry. Ils en vendent pas ici. Allez, dernière mission. Ticket de cinéma. Hey Jimmy Hopkins. Hey Jimmy Hopkins. Do I know you? No, I'm Pinky. Non, mais je sais tout sur toi. Moi, c'est Pinky.
Everybody's talking tout le monde parle about de toi. Everybody says that you're mean and pas que tu es méchant agressif et que tu adores te battre. Gary said Gary you're dit so que mad tu es dingue parce you're que tu ne sais pas trop si tu es homo ou hétéro. Yeah, well, Gary talks a lot of crap. Oh, mais Gary raconte de la merde, je sais, je ne l'aime pas du tout. Il aime torturer les jeunes, alors moi, il ne me torturera pas. Eh bien, je suis ravi que tu saches que tu es. Ouais, je t'aime bien, Jimmy Hoskins. Oh, yeah? Ah ouais. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. What a surprise. Ah ouais, ouais. Je suis au bout de fil, ce film est très important pour moi. Je vais être trop mal placé. Peux-tu me débarrasser de tous ces gens? Please, Jimmy. S'il te plaît, Jimmy. Tu gagnes quoi? Je suis une princesse. Et les gens doivent faire ce que je dis. Ah, dépêche-toi, je veux être la première. Oh, man. Voilà, ok. All right. Ah, ok, zut. Fallait pas que j'étais violent, je savais pas, moi. Je savais pas. Shit. J'ai perdu mes stuff. J'aurais dû lancer quelque chose sur eux. De con. Là. J'ai passé Pinky en tête sans recourir à la violence. Là. Fallait savoir. Sans voir quoi à la violence. Ben là. Et ça, c'est de la violence aussi. Alors, je leur parle comme ça. Donne le chocolat à Eunice. Eunice dans un endroit retiré. J'ai mis seulement on était le même milieu social. Je suis un garçon serviable, tu sais. Vraiment, eh bien, les jolies filles aiment les jolies fleurs, tu sais.
Ça va être de l'argent, c'est le moins qu'on puisse faire en plus, c'est celui de papa. Le film va commencer, mais passe-moi voir un de ces quatre, nous parlerons de nos différends. Ok, je suis prêt à planir nos différends, ma belle. Allez, on va sauvegarder. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Bully Life sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!